La guerre. Toutes les guerres se ressemblent. Ce fut le résultat inévitable de la voie que l'humanité avait choisie. Tous ceux qui s'étaient engagés dans ce conflit espéraient la victoire. Tous étaient optimistes. Mais au fil de l'escalade des hostilités, l'optimisme s'estompa progressivement et la société commença à s'effondrer. Les grands abris furent construits afin d'abriter les plus riches, les plus puissants et les plus influents, ainsi que tout le personnel jugé nécessaire à leur survie. Toutes sortes de ressources et de technologies y furent stockées en prévision de l'Holocauste qui menaçait. Avec leur passé derrière eux et leur présent détruit, les survivants se mirent à regarder vers l'avenir. Le robuste abri zéro était destiné à devenir la clé de voûte du réseau d'abris. Abritant les plus grands leaders, artistes et scientifiques, l'abri zéro était destiné à servir de point de ralliement pour les habitants de tous les abris, afin de les guider vers une nouvelle vie, un nouveau monde. Mais après les bombes, ce monde serait probablement dévasté. Afin d'assurer la création d'une utopie post-nucléaire, les habitants des abris auraient besoin d'aide. Des machines furent construites afin de domestiquer un monde endurci par les ravages de la guerre, puis apaisé par un hiver nucléaire. Hélas, les préparatifs n'étaient pas encore achevés
Lorsque les premiers missiles quittèrent leur silo, au cours de la grande destruction, la communication entre les abris fut interrompue. Plusieurs abris furent détruits. Les survivants se retrouvèrent livrés à eux-mêmes. Certains abris échappèrent cependant aux machinations de la guerre. Sur la côte ouest d'Amérique du Nord, un groupe de militaires émergea de son abri, quasiment indemne. Les soldats entreprirent une reconnaissance du désert et s'attelèrent à la difficile tâche qui les attendait. Ces survivants obstinés récupérèrent toutes les technologies des abris afin de les étudier, de les reproduire et de les préserver. Ils savaient que leur nombre faisait leur force, mais aussi que leur futur reposait sur leurs connaissances scientifiques. Au fil du temps, ils créèrent la confrérie de l'acier. La confrérie utilisa ses connaissances pour repousser les atrocités du désert. Ses membres s'autoproclamèrent les techno-sauveurs de l'humanité. Ils se mirent à parcourir les terres à la recherche d'autres technologies, attaquant les groupes des mutants, les villes de bandits et explorant les ruines des autres abris. Mais il vint un temps où il s'avéra de plus en plus difficile de soutenir le rythme épuisant et la rigueur de la vie dans le désert. La confrérie se trouva confrontée à un dilemme, car la nécessité de renouveler ses rangs s'opposait à son code du secret technologique. Le débat s'éternisa. Finalement, les anciens s'opposèrent au partage de technologies avec des étrangers, convaincus qu'ils parviendraient à surmonter cette difficulté comme ils l'avaient déjà fait avec tant d'autres. Le débat fut clos et les anciens envoyèrent la minorité d'opposants à cette décision en mission dans le désert. Les supermutants, fantassins d'une armée vaincue, avaient été forcés de se replier par-delà la chaîne de montagnes de l'Est. La confrérie construisit des dirigeables et expédia les opposants à la poursuite des supermutants afin d'évaluer leur nombre et la menace qu'ils représentaient. Malheureusement, le franchissement des montagnes se solda par un désastre. Le plus grand des dirigeables se perdit au cours d'une terrible tempête. L'énorme véhicule fut gravement endommagé. Plusieurs petites sections furent arrachées de l'appareil. De nombreux leaders de l'expédition périrent dans la tempête. La fraction de l'équipage qui parvint à survivre lutta pour maintenir le dirigeable en l'air avant de finalement s'écraser aux abords d'une ancienne métropole. Cette cité se nommait autrefois Chicago. Épuisés, perdus et effrayés, les survivants évaluèrent leur situation et une fois de plus se remirent au travail. La confrérie avait beaucoup à offrir aux villages alentour. Au début, ils échangèrent des médicaments contre de la nourriture et de la main-d'œuvre. Ensuite, ils proposèrent une protection contre les bandits en échange de nouvelles recrues. Au fil des années, leurs rangs se mirent à grossir. Séparés par la distance et l'idéologie des forces principales de la confrérie, la minorité était libre de forger une nouvelle confrérie de l'acier, reflétant les idéaux qui lui tenaient à cœur. Cependant, le futur est toujours incertain dans le désert. Une ancienne puissance s'est réveillée et son but est également de dominer ce monde. La vie de la confrérie est sur le point de changer.